très déçu, pas énervé, à l'inverse de la semaine dernière, où mes jeunes ont rendu une copie exemplaire, je dirais, sauf, enfin, exemplaire, c'est un grand mot, parce que derrière, il n'y a pas eu la victoire, malheureusement. Donc du coup, c'est malheureux pour nos petits qui méritaient mieux que ça, au moins ne pas perdre ce match. Mais voilà, ouais, comme le mot est bon, c'est déçu, vraiment très déçu. Là où il y a la déception, c'est même pas par rapport au score, je pense, c'est plus par le manque de réalisme de mes jeunes. Et aujourd'hui, habituellement, on a peu d'occases, très peu d'occases. Et là c'est, ce match-là, c'est un match référence parce qu'il y a beaucoup de centres, beaucoup de frappes, beaucoup de face-à-face, beaucoup de duels gagnés offensifs. Mais la zone de finition, elle est catastrophique. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir 3-4 face-à-face nets. On met à côté ou au-dessus. On a des duels aériens où on est vraiment seul et peu de communication. Ou sinon, on est dans les 6 mètres et c'est un peu brouillon, cafouillage. Ben, on n'est pas tueur. Ouais, voilà, c'est le contre-cours du jeu. Il y a vraiment une seule occasion franche de l'ASM en deuxième mi-temps. Ils la mettent, voilà, ils sont réalistes. Sauf que nous voilà, c'est un défaut qu'on n'avait pas pendant les 6 premiers mois, où on avait une occasion, un but. Et là ce week-end-là, décevant offensivement. Après, défensivement, on a fait le travail. Collectivement, on a fait le travail. Mentalement, j'ai trouvé un groupe quand même qui commence à prendre beaucoup de maturité, beaucoup d'envie. Je suis même plus que déçu pour mes jeunes, parce qu'ils méritent plus que ça. Voilà, je le dis à chaque fois, mais je m'épanouis de plus en plus avec ces gamins-là, qui s'investissent énormément dans le travail. Il manque toujours ce petit truc, mais ça va venir avant la fin de l'année, ça viendra, j'espère. Comme j'aurais dit à la fin, donc à froid, enfin à chaud, mais à la fin du match, donc ce que j'aurais dit la semaine dernière, on peut être énervé, même très énervé, en colère. Là, on peut être que déçu, et ce que je leur dis, c'est que ça va payer. C'est une défaite qui fait mal parce que c'était le 7e, on était 8e, ils nous mettent du coup 7 points, je crois, et les concurrents derrière peuvent nous passer devant. C'est pour ça que ça fait mal au niveau de la compétition, mais au niveau du travail accompli, ce que j'aurais dit, ça paye, je suis fier d'eux, donc c'est voilà la seule chose que je peux leur dire, je suis fier d'eux. Mais c'est ces petits détails qui nous coûtent cher. Moi perso, à la fin du match, il y a une grosse déception, parce que on perd que 1-0. Au début du match, on était très déterminés, on était préparés. On s'est mis une pression positive. Et je pense que ça a payé niveau jeu, niveau impact, niveau duel. On avait un mental d'acier, comme on dit. Et y a une grosse déception, quoi. On perd. On a des occasions, il faut les mettre. On ne les a pas mis. On n'est pas efficace. Et y a une erreur défensive. On met devant plat, Simon. Offensivement, en fait, il nous manque l'efficacité, je dirais. Et je pense que si on a ça, on peut gagner des matchs. Je pense que défensivement, on est là. Il faut travailler un peu plus, ouais. Mais je pense qu'on se rapproche d'un bon niveau de jeu. Les points positifs, déjà c'était l'envie. L'envie de mes coéquipiers. Les points négatifs, je dirais, c'est. On n'a pas été assez discipliné. C'est-à-dire que normalement les erreurs défensives comme ça, il ne faut pas les faire. Après oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais
On ne peut pas dire ouais, ça, c'est à cause de l'arbitre, tout ça, nanana. Et voilà. J'irai. Vas-y, casse-toi pas. Il faut continuer de travailler comme ça. Enfin, là, aux entraînements, je commence à prendre de plus en plus de plaisir. De bosser. Et moi, en tout cas, je suis sûr que ça paiera.